Oui, il est 73-51 à la station de 14 km, 33-01, opérateur Rémi. Voilà actuellement en mobile entre Castillon-la-Bataille et Libourne. Ok, d'accord, mais je suis en train de rentrer à l'instant même dans le petit village Saint-Pédarmont, voilà là, qui est sur la départementale. Voilà, et pour ma part, là, je m'en vais au pro sur Mérignac. Voilà, jusqu'à demain matin à 7h30. J'ai l'impression qu'il doit y avoir du QRM de votre côté, parce que là, c'est ça n'a pas l'air de trop bien passer, j'ai l'impression, là, sur la Dordogne. T'as sur la station de Dordogne pour 14 km 33-01 en mobile. Bon, bah, c'est pas grave. Les bonnes sortes, si ça passe plus, ou je sais pas, les bonnes sortes 13-51 à vous. Bon QSO, bon contact. Et ben, peut-être à tout à l'heure, dans quelques instants, ou sinon à la prochaine. Attention, les stations en fréquence pour 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile. Depuis les environs de Saint-Émilion. Ok, ben là c'est vrai que là c'est, on voit que je m'éloigne. Ben oui, hein, je suis en train d'arriver. Ok, d'accord, c'est vrai que je t'avais perdu tout à l'heure, mais c'est bon. Si c'est soit une panne, soit un coup de téléphone qui est subitement qui est arrivé, je suis trois coups. Voilà, je suis en train d'arriver voilà, au niveau de l'endroit là, qui est limité à 90, là, dans le bout de la National 89, à la hauteur de la sortie, c'est quoi, c'est la sortie 2, 13 Ivrac. Ok, ouais, de mon côté aussi, c'est très très compliqué là pour te sortir. Je suis en plein dans les QRM là justement là là sur le bout là, de la SNL 89. Bon, c'est pas grave. On s'est copié furtivement tout à l'heure. Les bottes 73, 212 QRA, bon QSO. De toute façon là, pour ma part, je vais m'éloigner encore plus puisque je m'en vais sur Mérignac. Donc là, je vais être carrément là dans le trou, ça ne va plus passer du tout. Bon, bon contact de votre côté, des bonnes 73. Et à une prochaine fois, dans de meilleures conditions, car là, je suis vraiment noyé dans les QRM de ce côté-ci et je m'éloigne. Alors là, je l'entends parler.
mais c'est tout. Attention, les stations fréquences pour 14 km 33-01 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le haut du pont d'Aquitaine pour le QSO du canal 32. Bon, ben si quelqu'un a répondu, j'ai dit QRM de mon côté, désolé. Les 73-51 à vous. Et bon QSO pour ceux qui m'auraient entendu derrière dans le lointain, Hachi. Oui Daniel, les 2073 à toi, voilà, je suis sur la rocade de Bordeaux. Et il y a du monde, je sors justement d'un bouchon. Hachi, il était bon celui-là. Comment vas-tu Daniel? Allez, écoute, ça va, je suis avec donc Isabelle, Norbert, Guy, je crois, une Guy, non, pourquoi, François, Jean-Pierre, c'est ça? Oui, voilà comme je dis, et François. Alors, Xavier et Pascal, voilà, on est en visioconférence, Rémi. Ah d'accord, ok, eh bien, les bonnes 73 et 212 à tout le monde. Voilà, depuis 14 km 3301, Rémi, Dandy 33 en mobile, actuellement sur la rocade de Bordeaux, là, au niveau des chantiers, là, Daniel. Voilà où je suis, je m'en vais là sur Mérignac. Comment te dire, je vais me mettre les deux pieds dans la peinture. Je pense qu'en disant ça comme ça, tu as compris de là où je vais. Ok, Rémi. Attends, je me recale parce que je sais pas, tu passes sur la fréquence, là, Rémi, ce soir, je sais pas, je suis obligé de me décaler chaque fois, là. Ok, attends, voilà, là, vas-y, là, est-ce que là, comme ça, là, pour toi, là, c'est meilleur? Là, ça serait bon, là, ça serait ok de ton côté, là? Là, Rémi, là, je sais pas où tu es parti, mais tu passes sur la fréquence, je suis sur 325, et t'es vraiment décalé, hein. J'ai pas été te chercher, mais t'es vraiment décalé. Ouais, puis en plus, je comprends bien ce que tu me dis, mais là, en plus de ça, je suis en train de rouler, j'arrive pas à voir le pass, il faudrait que je mette mes lunettes, il faudrait que je m'arrête au milieu de la rocade pour me remettre en fréquence. Donc, si toi de ton côté tu pouvais clarifier, moi ça m'arrangerait bien, toi, là, parce que c'est. Voilà, il faut que je sorte de la rocade, que je m'arrête quelque part pour me recaler. Mais vu l'heure, ça va pas le faire. Ok, bon, je vais essayer de te rechercher là, et puis voilà, bon, on est en conférence directe avec le RDI. J'essaie de te chercher là, même à l'oreille, j'essaie de te chercher. Ok, d'accord, ben, je dois pas être très loin quand même pas à ce point-là, quoi. Si je dois avoir quelque chose comme 50 Hz, un truc comme ça de décalage, ça doit tourner autour de ça. Là, tu as un poste qui est peut-être un peu trop pointu, là, pour le coup. Ah, chier trois coups. Voilà, donc tu vois, t'es décalé assez pour que je t'écoute avec ta voix d'origine, 324.8. Ok, d'accord. Ben, j'ai tenté de me recaler tout à l'heure, mais voyant pas ce que je faisais, j'étais parti ailleurs, là, pour le coup. Ok, d'accord. Oui, bon, ben, il y a pire hein, dans la vie. Et hein. En plus de ça, de toute façon, comme je suis à l'instant, je suis en train de rouler. Il y a beaucoup de monde sur la route, alors mais voilà, j'ai pas le choix, c'est comme ça là de mon côté là pour le moment. Quoi. Ok, voilà. Allez, j'essaie de voir si ça va t'écouter depuis la Lorraine, devant les différentes régions. Voilà, donc j'entendais que je voulais être au Québec, là je faisais 10 minutes ça parler, donc c'est pour ça que j'ai dit que je vais écouter, puis je suis tombé sur Paris.
Depuis la Lorraine, t'es pas au QRA là en ce moment? Ah ben oui, puisqu'on est en visioconférence, réunion, merci. Oui, non mais toi, t'es sur quel QTH? Je suis à la maison, là, je suis à la maison. Non mais je te dis, comme ils t'ont en direct, même Isabelle, c'est de tes côtés, mais elle n'a pas l'oreille fine. Ouais, dis-lui qu'elle ressort les boules caisses des oreilles, ça ira beaucoup mieux après. J'arrive à la hauteur de la sortie 10, j'attrape la suivante, la 11A, là où il y a le Buffalo Grill. Il y a la réunion ce soir, RCI. Si c'est le cas, ben dommage, une fois de plus, je ne pourrais pas y être. Mais ouais, mais vu d'où j'arrive, effectivement, puisque c'est à 19h30 que j'embauche, effectivement, mais vu d'où j'arrive, j'ai pas le choix, moi. J'ai le passage de Libourne qui est toujours plus ou moins compliqué, et puis là-bas, t'as pas d'échappatoire. La rocade, là, à l'instant, là, je sors d'un bouchon à cause d'un véhicule en panne. Voilà. Et si je fais pas comme ça, je suis sûr un jour ou l'autre de me faire avoir. Ok, tu vois, Isabelle se trouve décalée, tu vois. Elle vient de confirmer ce que je disais, hein, puis bon, moi de toute façon, avec la station en fixe, je ne peux que t'affirmer. Ok pour ça, mon Rémi. Écoute, oui, c'est Isabelle qui m'a tenu informé là, de la réunion, donc c'est pour ça que je suis venu là ce soir. Et donc, bah oui, ça me fait ma première réunion. Ok, donc bon, mais de toute façon, on va continuer tant bien que mal. Je pense qu'ils ne coûteront pas depuis le Lorraine, même s'ils ont les directives braquées sur Bordeaux. Et je pense que c'est trop QRP, il n'y a pas de propagation. Ok, voilà, là, normalement, du coup, bah, tant pis, vu devant l'insistance, là, je me suis arrêté. Ok, voilà, est-ce que là, ça va mieux, là, comme ça, là? Là, je suis sorti de la rocade, je me suis arrêté. Est-ce que c'est déjà mieux, là, comme ça, au niveau calage en fréquence? Ok, donc là, je suis sur 27325. Pardon, 27325.1. Ok, d'accord, voilà. Bon, ben, je vais pouvoir reprendre la route alors. Hachi. Ok, voilà. Je suis face au restaurant Panda, tu vois là où je veux dire. Oui, Ok, d'accord. Mais tu me parles de la réunion de RCI, mais je n'ai pas reçu d'email. Bon, de toute façon, c'est pas grave, puisque là, je suis tout le week-end au boulot. Hein. Hier soir, j'y étais. Ce soir, demain soir en suivant. Voilà, donc hier soir, depuis 23h30 jusqu'à lundi matin, 7h30. Voilà là, ce que ça m'a donné, là où je vais. Ah oui, ok, d'accord. Bon, mais écoute. Alors ce matin là comme j'ai pas travaillé là j'ai fini hier soir et donc voilà donc j'étais pas aussi si monsieur le tableau en plus hier soir mais je suis plus tard en rentrant. Voilà. Bon écoute voilà ouais ben moi comme je disais là ce matin je suis resté bloqué là sur la rocade avec tous ces travaux là je pensais passer par la route derrière là-bas des 4 et puis c'était bloqué donc oui je dois faire demi-tour et revenir par là. Ok d'accord. Pourtant, toi, hier soir, pendant bien 50 minutes, j'ai lancé des appels justement sur le 27325, là, sur le canal 32. Et avec mon QRM 2.5 permanent que j'ai de mon côté, je n'ai rien entendu. Rien n'est passé là sur le QRA. Ah,
hier soir, j'étais trop fatigué là pour y être. Hein. Voilà, c'est pour ça que tu m'as pas entendu hier soir. Je me suis même endormi sur le canapé, donc c'est pour te dire. Voilà, voilà. Donc, et puis aujourd'hui, là, je t'ai dit, là, on a été faire les courses ce matin, et puis voilà. Ok, bon, mais on va continuer tranquillement, là, à Rimi. C'est vrai qu'il n'y a personne. J'ai eu Gilles tout à l'heure au téléphone, enfin, en radio, là, on était beaucoup plus haut. Et voilà, donc comme j'avais la conférence, j'avais coupé, et donc je sais pas si, je pense pas qu'il vienne, ce soir je ne sais rien. Puis à moi ce qu'il soit derrière, je ne saurais pas te dire. Bon, c'est pas grave, de toute façon, là, de mon côté, j'ai fait là, une petite vidéo. Donc là, c'est dans la boîte, comme dirait l'autre. J'ai eu un Rémi du département 24. Alors, si lui, il nous écoute derrière, oh, c'est pas sûr, ça fait un peu loin. Alors, Rémi, t'as les 73 de Rémi. Hachi. Voilà, et il a eu un petit couac, je crois qu'il a eu un fusible qui avait claqué. Du coup, je l'avais perdu, là, sur le QSO. Quand je l'ai retrouvé en fréquence, eh bien, je commençais à le perdre. J'arrivais du côté de Tresse, de ce côté-là, là, sur la nationale 89. J'étais en train de le perdre complètement noyé dans les QRM. Bon, ben, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Puis je regarderai, là, ce soir, cette nuit, là, au niveau des messages. Peut-être qu'il m'aura laissé un message quelque part, justement, là, par rapport à ça, quoi. Ok, alors je vais vous laisser des bonnes sur 13,51 à tous. Ok, je vais gagner la retraite de tout le monde. C'est ça la solidarité. C'est pas pour rien qu'on est en association. C'est justement pour être solidaire des autres. Donc 73,51, 88, 212 à tout le monde. Et bonne réunion de votre côté. Ok, t'as les salutations de tout le monde, Rémi. Ok, bonne soirée à toi. Écoute, je te dis pas demain matin, puisque quand tu vas débrocher, je serai encore au lit. Alors, ok, allez, bonne soirée à toi, et puis écoute, c'est bien dommage là, pour la réunion, pour toi, et puis je tâcherai de venir un peu plus souvent là. Voilà, allez, bonne soirée Rémi, on va reprendre tranquillement là, respectivement, là, chacun dans nos régions. Voilà, allez, bonne soirée, merci Rémi. Ok, et merci pour ta participation à la réunion, c'est vraiment sympa. En plus, en tant que kilomac, c'est vraiment sympa. C'est ouais. Merci à toi, Daniel, et à la prochaine. Alors, t'as gros bisous de Norbert, Rémi. Ok, tu lui retournes sur le front, hein, surtout pas ailleurs. Il a dit qu'il y avait de la place, je confirme. Moi c'est pareil de mon côté, j'ai la Kumpunk mais à l'envers. Hachi. Allez, bon, bonne réunion à vous tous. Allez, 73, et merci pour ce petit QSO ici. Et ben voilà. Le démarrage a pas été évident. Ça fait partie des petits couacs comme ça, là, c'est parfois, bon, ben, on ne sait pas trop ce qui se passe. D'après ce que j'ai compris, pour Rémi, ben, il a eu un fusible qui a claqué, si j'ai bien compris. Bon, ok, ça, des fois ça arrive. Les autres stations, ben, c'est bien dommage qu'ils n'aient pas été là. C'est chacun, on va dire, chacun ses priorités, ou chacun met ses priorités là où il a envie. On fait pas toujours ce que l'on veut dans la vie. Allez, les bonnes, il est 19h, les bonnes 73,51 à tous, 212 au QRA, et à très bientôt sur le QSO du canal 32 du week-end. Alors il est à 18h. Et 19 et 21h les vendredis, samedi, dimanche pour ceux qui peuvent. Voilà. Merci, bye.